Le prince William et Kate Middleton déménagent à Windsor. Ils s'installent dans une maison avec 4 chambres et aucun staff à domicile, et les ducs et le duchesse de Cambridge voulaient se rapprocher d'Elizabeth II. Le projet se concrétise. Après des semaines de spéculations selon lesquelles le prince William, Kate Middleton et leurs enfants étaient prêts à déménager pour quitter Kensington Palace et s'installer à Windsor, le Daily Mail rapporte que le choix de leur nouveau domicile a été fait. Le duc et la duchesse de Cambridge devraient poser leurs valises dès le début de cet été dans une modeste maison de 4 chambres, l'Adelaide Cottage dans le Berkshire, à Windsor plus exactement. La petite famille se rapprocherait ainsi de la reine Elizabeth II qui réside dans le château de Windsor, à une poignée de minutes de l'Adelaide Cottage. Selon l'éditrice en chef de Majesty Magazine, cette perspective a de quoi réjouir la souveraine qui se retrouve très souvent seule avec son staff et qui devrait donc être ravie que William, Kate et ses 3 arrière-petits-enfants soient si proches d'elle. Si le déménagement prend bien place cet été, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, commenceront tous les 3 leur scolarité dans un nouvel établissement non loin de leur nouvelle maison. Selon une source citée par Le Sun, ce choix de s'installer dans une demeure plus humble est volontaire. Kate et William voulaient une maison plus modeste pour démarrer leur vie à Windsor. Adelaide Cottage correspond à leurs attentes car s'y estime une maison à 4 chambres et ils n'ont pas besoin de plus puisqu'ils n'auront pas de personnel à domicile. Ni personnel à domicile, ni rénovation, ni mesures de sécurité supplémentaires, s'y estime ce que le duc et la duchesse de Cambridge recherchent. Amal et George clownaient comme voisins en s'installant dans le domaine privé de la couronne, le prince William et Kate Middleton se rapprocheraient non seulement de la reine Elizabeth II, mais aussi de Sir Elton John, de l'actrice Anna Friel ou encore de George Clooney et sa femme Amal Clooney. Des voisins prestigieux qui leur garantissent une certaine tranquillité. Avant de s'installer à Kensington Palace en 2017, le duc et la duchesse de Cambridge habitaient dans la campagne dans le Norfolk, à Hampton Hall, où ils continuent à se rendre régulièrement après y avoir fait des rénovations très coûteuses.